en tant qu'ambassadeur au Maroc, c'est pour moi un plaisir tout particulier de quitter le Maroc, parce que moi je suis en fin de mandat au Maroc, et quitter le Maroc au moment où la Suisse est à l'honneur au SIAM, qui est le plus grand événement au Maroc, avec un pavillon suisse et avec une dizaine d'entreprises qui sont là présentes, c'est quelque chose de, que j'aurais jamais pu m'imaginer. Donc c'est une belle, un grand honneur. C'est aussi une belle responsabilité parce que nous sommes ici pour proposer des solutions aux plusieurs problèmes que nous avons dans l'agriculture au Maroc et ailleurs aussi. Et donc, c'est un mélange d'honneur et de responsabilité. La structure de production agricole au Maroc et en Suisse sont différentes. Mais nous avons exactement le même défi. Celui de mettre en valeur les produits de nos terroirs, parce qu'on en a besoin, et en même temps, on doit produire en utilisant beaucoup moins de ressources par rapport au passé. Et pour faire jouer cette équation, notre proposition, c'est d'investir dans les technologies et dans l'innovation. Parce que ça, c'est ce qui nous permettra de produire encore plus et de meilleure qualité, tout en respectant le terroir. Pour nous, c'est un grand honneur d'avoir été sélectionné pays à l'honneur. Et aussi, c'est une grande responsabilité. Et notre défi, c'est d'être à la hauteur de cette confiance que le gouvernement marocain nous a accordée. La thématique officielle du SIAM est l'emploi dans le monde rural. Et nous, en tant que pays à l'honneur, ça a été aussi une grande réflexion comment, avec nos entreprises, on peut contribuer à cette thématique. On a sélectionné l'aspect où la Suisse est le mieux placée, c'est l'innovation. La Suisse est un pays leader dans l'innovation, on investit beaucoup d'argent dans l'innovation, on a investi 18 milliards et demi de francs suisses, soit 180 milliards de dirhams, 3% de notre PIB dans la recherche et développement. Et de ce fait, on a eu une grande réflexion avec nos entreprises innovantes, dire comment on peut, avec l'innovation, contribuer à l'amélioration du taux d'employabilité dans le monde rural.